Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de votre magazine Perfect Actu, l'avant-dernier numéro de la semaine qui revient cette fois-ci pour aborder une seule thématique principale, à savoir le fonctionnement de notre appareil judiciaire qui laisse à désirer pour certains. On va aborder ici la question de la partialité de certains juges. On va faire le point sur la lenteur dans le traitement de certains dossiers au niveau des cours et tribunaux. Et cette fois-ci, nous recevons sur ce plateau un ancien journaliste, un ancien ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, un ancien porte-parole également du président Joseph Kabila Kabange. Il a fait la pluie et le beau temps à la RTNC. Il fait partie de ces grands journalistes que le Congo ait connu et il a enseigné par l'exemple plusieurs générations. Lui, ce monsieur Koudoura Kasongo, à qui je m'en vais dire bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Ça va. Très bien. Alors, je disais à l'entame de cette émission que vous êtes ancien journaliste. Alors, d'une manière générale, ou une observation peut-être, quand vous lisez la presse aujourd'hui, quand vous écoutez la radio, quand vous regardez la télévision, est-ce que vous vous dites que l'actuelle génération des journalistes peut assurer la relève et que vous pouvez vous reposer calmement ou vous estimez qu'il y a encore beaucoup à faire et que les nouveaux journalistes ou l'actuelle génération n'a pas encore peut-être atteint votre niveau? Merci beaucoup, Ravé, pour l'opportunité que vous me donnez pour dire un petit mot sur les cadets qui emboîtent nos pas. Nous vivons une autre époque qui est l'époque du numérique, qui est tout à fait différente de celle que nous avons connue. Absolument. Voilà. Et puis, je m'aperçois qu'au niveau de la jeunesse, la rigueur n'est pas la même. La formation n'est pas la même. Pour prendre seulement le cas de l'IFASIC, le recteur Ekambo m'avait dit que la situation est très difficile. On prend plus d'étudiants pour répondre aux besoins matériels dus au fait qu'on a les soucis d'épanouissement de l'établissement. Il y a aussi beaucoup de jeunes parmi vous qui entrent dans la profession, peut-être par nécessité, mais pas nécessairement par vocation. Okay. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu la grâce de commencer. Déjà au secondaire, journaliste sportif, comme aussi animateur de radio. Et ensuite, je suis entré à l'IFASIC, tout comme aussi, après l'IFASIC, je commençais à faire de la politique. Et après la politique, maintenant, active, je suis entré à l'université pour faire des sciences politiques. Voilà. Donc, il y a des jeunes qui sont rigoureux, comme Peter Chani. Il m'avait reçu à l'époque sur BRTV, je crois, avec Pauline aussi, le monde du tout. C'est un des jeunes qui montent, il y en a beaucoup, hein, comme Israël Moutala, dans les réseaux sociaux, etc., dans la presse en ligne. Mais je profite de l'occasion pour dire qu'il ne faut pas confondre les journalistes et les animateurs de YouTube. Hein. Absolument. Voilà, donc il y a des animateurs, ça c'est pas des journalistes. Les journalistes, c'est, d'abord il fait 5 ans à l'université, ou sinon davantage, et puis... il a le métier, il vérifie l'information, il n'est pas un agent de propagande, voyez. Et puis les journalistes, il ne va pas se mettre à parler tout seul comme ça. Il anime. Ça, c'est l'animation, c'est pas du journalisme. Vous regarderez d'ailleurs dans la presse francophone ou anglo-saxonne, vous ne verrez pas un journaliste qui parle lui-même sur YouTube, ça n'existe pas. Mais par contre, vous pouvez voir des extraits des émissions, des interviews, des débats sur YouTube, vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que ces styles développés aujourd'hui où on peut voir quelqu'un se présenter face à la caméra, raconter des histoires pendant 30, une heure du temps. Il parle tout seul, c'est de l'animation, c'est pas de journalisme, okay. Ça, on ne vérifie pas. Le journalisme, c'est vraiment rigoureux, c'est rigoureux. Vous avez des faits, vous devez les vérifier, c'est quoi exactement. Moi, je suis sur YouTube, mais quand, même si on me transfère un document, je me donne la peine de le vérifier. Si je vois qu'il n'y a pas trop de... Si je ne suis pas convaincu, il n'y a pas beaucoup de vraisemblance, je ne diffuse pas. Alors, selon vous, comme expert, comme ancien journaliste, qu'est-ce qui affaiblit aujourd'hui cette rigueur qu'on a connue par le passé dans le monde de la presse? La rigueur, elle est personnelle. Nous, à notre époque... Moi, j'avais des fiches, des dossiers que je gardais par devers moi. Le professeur Okomba Otisambi, qui est d'ailleurs celui qui a un grand nombre de mémoires qu'on défend à l'ISTI, dans notre époque déjà, et puis à l'IFASIC aujourd'hui,
il disait que nous devions avoir des fiches. Un journaliste doit avoir des fiches. Par exemple, si vous voulez être commentateur de la situation en Ukraine ou en Russie, vous devez être à même de rassembler toutes les dépêches. Hein. On a les dépêches, c'est ce que publient les agences, on appelle ça les dépêches, ou les coupures de presse, vous les gardez dans une chemise ou farde, si vous voulez. Et ça vous permet, quand on doit faire un papier de fond, vous le consultez, vous avez tous les éléments, le background du sujet que vous voulez développer. Aujourd'hui, à votre époque, à notre époque aussi, si vous voulez, maintenant, ce n'est plus ça, on a Google, on a la facilité d'accès à l'information. Mais je constate que les jeunes sont très paresseux. Malheureusement, ils sont très paresseux, ils sont happés par autre chose. Or, le journalisme, c'est d'abord un problème de rigueur personnelle. Moi, je pense que si je n'avais pas, je le dis modestement, si je n'avais pas cette rigueur-là, je n'aurais pas été ce que j'ai été dans la presse et ce que je serais encore. Parce que j'ai encore de l'énergie, j'ai des ambitions, je me prépare par rapport aux échéances de cette année. Voilà, donc il faut de la rigueur. Et donc, à 17 ans, j'ai commencé et puis j'ai changé, je suis allé en relations internationales. J'ai demandé à Caboulot de rester dans les sports. J'ai continué en relation internationale. Et puis, je suis passé au plan télévisé à 20h. C'est de la rigueur, ça. À la rigueur pour pouvoir passer à l'information sans papier, sans téléprompteur, assimiler l'information. Et là, il y a même quelqu'un qui m'a relaté un merveilleux témoignage par rapport à vous. C'est mon père, René Itoma, de la RTNC aussi, qui m'a dit, non, M. Koudoura, c'était un journaliste exceptionnel, quelqu'un qui était capable de mémoriser comme ça 10-15 chapeaux et puis se présente devant la caméra sans téléprompteur, il lit comme ça. Il lit comme ça, et vous l'avez vu quand j'étais encore le porte-parole de M. Kabila, le président Kabila, j'avais une cinquantaine de journalistes, et sinon davantage, avec les noms, les organes de presse, et les origines géographiques, les origines ethniques, le régime juridique de ce journal-là, de ces organes de presse, parce que je dois m'assurer que devant le chef de l'État, il y a des journalistes de toutes les tendances, de toutes les provinces, pour qu'on ne puisse pas être suspecté de quoi que ce soit. Absolument. Et en fait, c'est une rigueur qui nous permet d'avoir les opinions de toutes les tendances, de tous les bords politiques. Très bien. Et ça, c'est sans papier. Très bien, on va parler de la justice, mais une toute dernière question. Oui. Je disais aussi que vous fûtes porte-parole de Joseph Kabila. Absolument. Est-ce que après votre départ ou votre, je ne sais pas moi, démission de ces postes, est-ce que les contacts avec Joseph Kabila existent toujours? Non, il y en a eu très peu en 2011 et puis plus rien. Ok. Oui, parce que je suis passé dans la contestation, dans l'opposition, etc. Parce que l'opposition, c'est quoi? Vous savez, quand on est dans l'opposition et opposant, ça peut être un citoyen, tout simplement, qui est frustré d'une situation qui est la sienne, qu'il a mal vécu, ou qu'il a subi une injustice, par exemple. Ce sont ces faits-là qui amènent les individus ou le groupe d'individus ou, d'une manière globale, une province ou une collectivité à être dans l'opposition. En ce qui vous concerne, c'était quoi la raison ou les raisons? En ce qui me concerne, c'est que la façon dont j'étais parti de la présidence, c'était un peu cavalier. Donc, j'estime que quand on m'est fait en fonction d'un responsable que je fus, il y a quand même le minimum de courtoisie. D'ailleurs, tout à l'heure, dans mon dossier, j'avais la... Je vais regarder dans le dossier, j'ai les papiers avec moi, sur la cessation des activités. Vous voyez, c'est un conflit avec l'ancien directeur du cabinet. Vous voyez, M. Loumanou, on avait un conflit. Le conflit, l'interférence dans mes responsabilités. Et moi, je ne me laisse pas faire. Je ne suis pas quelqu'un qui se laisse faire. C'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui, parce que je ne me laisse jamais faire. Je sais me battre pour mes droits. Et donc, la façon dont j'étais parti, je ne l'ai pas accepté. Bon, après, j'ai tourné la page. Mais au moins, je me dis, moi, je me défends. Il y en a qui ne se défendent pas, qui se taisent. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se tait. Dans cette histoire selon laquelle M. Koudoura Kasson aurait détourné à l'époque, les frais alloués à la presse étaient fausses. Vous pouvez me donner... Je vais regarder le document qui est là. Non, c'est pas vrai. Ok. Mais quand on dit... Moi, je suis à Kinshasa. Merci beaucoup, maître. Moi, je suis à Kinshasa. Mais qui détourne... Bon, moi, je ne sais pas comment les gens sont comme ça. Quand on détourne l'argent... Je ne l'ai pas avec moi. C'est une histoire qui avait défrayé aussi la chronique à l'époque. Je ne l'ai pas amené. Je ne sais pas que vous allez me poser la question. Mais quand on détourne...
D'abord, le porte-parole que j'étais, je ne gère pas les fonds. Comment je vais tourner? Et en plus, détourner de l'argent, c'est l'argent qui est géré par un fonctionnaire de l'État. Alors, moi, je n'ai pas détourné, mais je vais tourner quoi? Très bien. C'est les gens, quand on veut vous noyer, on vous raconte des histoires. Le porte-parole, en tout cas, moi, je ne gérerai pas le fonds. Jamais. Moi, je gère les papiers. OK. Hein? Par exemple, quand il y a un point de presse, et puis, c'est dommage que je n'avais pas le papier. C'est bien écrit, c'est mon papier, fin des prestations de serment. OK. Oui. Et on a payé partie de mes indemnités. J'ai un papier officiel pour ça. La raison était que le poste n'existait plus. C'est ce qui est écrit. Je peux vous faire venir le document ou je vais en avoir l'occasion pour ça. Il me dit, c'est ça, le poste n'existait plus alors que j'étais en fonction, j'ai voyagé. J'étais avec le président de la République en mai 2009 à Matadi. C'était ma dernière mission. Au mois de mai 2009, j'étais à Matadi avec Monsieur le Président de la République. Et au mois d'août, j'ai écrit au directeur de cabinet pour lui dire qu'il cessait d'interférer dans mon service. J'ai la documentation avec moi. Après les 19 août, il m'écrivit pour me dire non, la fonction que j'exerçais avec honneur, etc., n'existait plus parce que les structures ont changé. C'est ce qui est écrit dans le papier. Alors quand on le tourne, on ne peut pas vous dire que la fonction n'existait pas. Très bien, on va entrer dans le vif de notre C'est sujet. pas dans ma culture. Je vous signale que quand j'étais ministre à l'information, et alors que M. Kitutu était directeur général de l'RTNC, je devais me faire doter un certain nombre d'équipements, mais comme ça coûtait cher, j'ai laissé tomber. Et j'ai géré le ministère, je suis parti de là, il n'y a pas eu de problème. J'ai été aussi à la présidence de la République avec M. Atundu et d'autres, le Nzapa, Congo, etc. Il n'y a pas. Vous ne trouverez jamais de traces de détournement ou des défauts de comptabilité chez M. Koudoura. J'ai été dirigeant d'étudiants, ça commence là-bas. Hein. Ça commence, quand on est mal famé, ça commence. J'ai géré les fonds des étudiants avec Kaboulouma Kaboulou, avec Yim Kengeshai du Phare, avec Sapu Kazadi du Phare, avec. Comment il s'appelle encore? J'oublie le nom. Il est responsable de l'édition nationale au Phare. Moul Kenzo? Bon, le nom viendra. Eh bien, correct. Je suis donc correct. Très bien, on va entrer dans le vif de notre sujet, Voilà. cette fois-ci pour parler du fonctionnement de notre appareil Oui, judiciaire. voilà. D'une manière globale, quelle lecture faites-vous Non. de notre appareil judiciaire congolais? C'est une catastrophe. Vous savez, moi, je ne parle pas beaucoup. Je parle quand ce que je dis est plus fort que le silence. Je n'aime pas beaucoup parler. Mais quand je parle, c'est que je le dis. Et je suis ici aujourd'hui d'une manière, je dirais, solennelle pour dire à Monsieur le Président de la République que le pays va mal, ça ne va pas du tout. Et que dans notre appareil judiciaire, aujourd'hui, si vous n'êtes pas du parti régnant, j'assume ce que je dis, si vous n'êtes pas de l'UDPS, si vous n'êtes pas Moulouba, et que si par malheur vous êtes, par exemple, vous soyez comme moi, eh bien vous n'avez aucune chance. Et encore que pour mon cas, j'étais, vous venez de le rappeler, un proche collaborateur du du président président Joseph Kabila. Kabila, comme aussi j'ai été, pas seulement du président Mobutu, Sa mais ses collaborateurs. bouche autorisée d'ailleurs. Voilà, ça j'autorisais d'ailleurs. Eh bien, le sentiment que j'ai, c'est celui-là, c'est un sentiment de culpe, de vie. On est victime, en fait, d'un certain ordre politique passé. Je ne peux pas comprendre, je vais vous donner les pièces du dossier ici, que j'ai avec moi ici, comment est-ce possible que dans notre justice, y compris à la Cour de cassation, on ignore le droit? Ah, comment ça? Oui. Des juges qui ont été formés J'avais pendant des années à l'université. Un avocat à la Cour de cassation dans une affaire de divorce. Parce que je suis divorcé OK. depuis 5 ans. Ah bon? Oui, je suis divorcé depuis 5 ans à peu près. C'est une Bien. révélation, ça. Oui. Mais parce que je suis obligé de le dire. Bon. Je suis divorcé depuis 5 ans. Je suis marié à une autre. Elle s'appelle Chimanga Ngoya Christiane. C'est une juriste. OK. Voilà. Eh bien, le sentiment qu'on a, il faut que le président le sache. Et lui-même, il dit que la justice fonctionne mal,
Qu'est-ce que ça veut dire que la justice fonctionne mal? Ça veut dire que les droits des justiciables ne sont pas observés. Ça veut dire que les jugements qui sont pris dans les tribunaux et dans le cours constitutionnel, au cours de cassation, ne sont pas conformes aux droits. C'est pour cela qu'on dit que la justice ne fonctionne pas. Ce n'est pas que les magistrats, ils viennent, ils sont au bureau, ils viennent. Ceux du siège, ils viennent, n'est-ce pas? Ceux du parquet, ils viennent. Mais dans le rendu de la chose, c'est là qu'il y a une catastrophe. C'est là qu'il y a une catastrophe. Tous les jours, nous avons des plaintes, nous avons des plaintes. Je vous assure, si vous faites passer un micro dans les rues de Kinshasa ou dans les rues du pays, vous allez voir qu'il n'y a pas justice. Qu'il n'y a pas justice. Alors, la justice, ça coûte cher. Hein? Pendant 5 années, je dépense beaucoup d'argent. Et les gens préfèrent même aller se rabibocher avec les juges que recourir à l'expertise de leurs conseils, de leurs avocats, parce que là-bas, c'est plus performant. Mm-hmm. En l'espèce. Quand c'est mon affaire ici, du régime, parce que le problème dont je parle, mm-hmm. c'est un problème du régime, de la liquidation du patrimoine. Quand vous vous mariez, et c'est pour ça que je suis là ce soir pour dire aux gens que de faire attention, parce que ce qui m'arrive, ça peut arriver à n'importe quel citoyen, adulte ou jeune, comme vous, quand vous allez vous marier, mm-hmm. ça peut vous arriver. Quand vous construisez votre avenir, du jour au lendemain, vous pouvez être déshérité par une conjuration silencieuse qui existe quelque part, comme je le dis ici, comme je ne suis pas du sérail. Le fait que je sois un peu de l'union sacrée, des gens qui réfléchissent sur comment faire, quelles sont les stratégies, avec Laurent Batoumona, nous devons y travailler. Je n'ai pas pu être au rendez-vous pour travailler sur le comment faire pour la stratégie, parce que je me suis engagé. Depuis 2017, je me suis engagé à soutenir le président Félix. C'est okay. ce que nous avons fait avec le Vital et tous les autres. Bien. Et je continue, je pense qu'il fallait lui donner une seconde chance pour terminer ce qu'il a commencé. Et c'est comme ça que nous devons encore, avec Laurent Batoumona, qui supervise les 3 regroupements des alliés, j'y travaille. Très bien. Alors, qui reprochez-vous? Maintenant, la Cour de cassation. La justice au point de prendre quand vous lisez, quand vous lisez l'arrêt, je vais revenir, l'arrêt de la Cour, on me demande de que je devais choisir un régime. Mais c'était scandaleux. Ceux qui se marient, nous, par exemple, moi je me suis marié le 6 juillet 1985. Okay. Voilà, j'ai la petite photo avec moi ici. Hein. Mm-hmm. Bon, on ne peut pas faire malheureusement, il n'est pas là, le preneur de vue. Je me suis marié en 1985, le 6 juillet. Le 6 juillet, ce compte de la famille n'était pas encore en vigueur, n'est-ce pas? Mais le législateur a intégré les mariages qui étaient célébrés avant 1987, c'est écrit ici, loi numéro 87, parce qu'il y a les gens qui nous suivent, loi numéro 87, 010 du 1er août 1987, telle que modifiée par la loi numéro 16, 008 du 15 juillet 2006, n'est-ce pas? Eh bien, dans cette loi, les choses s'éclairent. Ça veut dire que ceux qui se sont mariés à ces dates-là, donc en l'évidence, le sujet, comme c'est le cas ici, la loi dit, vous êtes sous les régimes de la communauté des biens. C'est écrit, expressif, c'est écrit ici. Si les époux, l'article 489, si les époux n'ont pas régulièrement opéré leur choix, le régime de la communauté réduite aux acquis leur sera applicable. Point. D'accord? Ça, c'est cet article 489. Maintenant, vous allez sur l'autre article, 929. C'est l'article 929. L'article 929 reprend plus ou moins la même prédisposition, mais en précisant que si vous voulez changer, vous voulez changer ces dispositions parce que vous avez les régimes légaux, la communauté, et que pour telle ou telle raison, vous voulez changer, eh bien, vous devez aller devant l'officier de l'état civil, vous deux, mari et épouse, pour changer. C'est ça qu'on appelle les réguliers. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. 928. Je lis l'article 928. C'est l'école de la famille. Les époux ayant contracté mariage
avant l'entrée en vigueur de la loi numéro 87/010, c'est ce que je viens de vous lire ici, sont régis par le régime de la communauté réduite aux acquis avec histoire concertée, etc., etc. L'article 929 renchérit en disant, lorsque deux époux avaient établi un contrat régissant le régime matrimonial, soit avant, soit pendant leur union, il reste régi par celui-ci, à moins que dans l'année qui suit rentrée en vigueur, la loi, il ne fasse une déclaration d'option conjointe devant l'officier d'état civil de leur résidence pour l'un des régimes organisés par la loi. Les trois, séparation universelle des autres acquis. Ni l'un, ni l'autre. Ça, c'est la loi. Maintenant, je viens vers vous pour vous présenter l'acte de mariage. Parce que quand il y a mariage, il y a un acte, on est bien d'accord. Absolument. Il faut un acte. Il faut un acte. Je l'avais tout à l'heure ici, l'acte de mariage. Voilà, il est là. L'acte de mariage. Pourquoi je suis là ou encore aujourd'hui? Pour dire aux gens que vous pouvez avoir l'acte de mariage, comme c'est mon cas, et ça ne vous sécurise pas du tout. Comment ça? Mais oui, mais c'est le cas. J'ai l'acte de mariage. Quand on dissout un mariage, quand vous ne voulez plus, comme c'était mon cas, on a dit on ne veut plus, on ne veut plus. Ok, chacun fait sa route. Maintenant, si vous avez ce qu'on appelle patrimoine, vous avez des biens, une parcelle, une maison, deux, trois, peu importe, vous devez partager. Pour partager, c'est par rapport au régime. Pour, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne, au vu des pièces que je présente devant vous ici, l'acte de mariage est là. Il n'y a pas un acte contraire. Okay. Cet acte ne mentionne pas un régime. Donc, le régime, il est légal. Subi l'article 49, nous sommes sous le régime légal que la loi nous impose. Donc, la Cour de cassation n'a pas à nous dire, n'a pas à me dire d'aller choisir parce que la loi a choisi pour moi. Voilà les stupidités dans nos cours. En ce qui vous concerne, oui, on m'a demandé d'aller choisir. Je veux choisir. Je ne peux pas choisir. La loi choisit, pour nous qui nous sommes mariés avant 87, avant 87, oui. Parce que moi je me suis marié le 6 juillet 1985, n'est-ce pas? On n'a pas à choisir parce que la loi a choisi pour nous. Exactement. Donc vous remarquerez que même à la Cour de cassation, c'est une stupidité d'apporter ce genre de raisonnement. Et l'avocat Kalouba de donner, j'ai eu le malheur malheureusement que M. Kalouba a eu encore mal à partir avec les dossiers des matières en pognon. J'ai eu le malheur d'être un de ses clients qui défendait à ce moment-là, avant qu'il ne soit présent à la Cour constitutionnelle. Okay. Voilà. Il y a une conspiration. Comme c'est un cas de M. Kalouba, il ne peut pas avoir raison ici à la Cour. C'est-à-dire qu'actuellement, la justice vous impose plutôt un régime qui ne cadre pas avec ce qui s'était passé en... On peut dire ça comme ça. Moi, je dis la loi, la justice est dit, nous devrions, on devrait choisir un régime. Mais alors, allez, et puis l'argument consiste à dire, oui, ils sont allés choisir les régimes à la BIAC. Vous trouvez normal? Est-ce que nous sommes sérieux au Congo ici de dire à quelqu'un qui va demander ses crédits, la femme va demander des crédits? Ce n'est même pas moi qui demande des crédits. Elle va demander des crédits et dans le certificat d'enregistrement, elle a mentionné que nous sommes sous le régime des biens séparés. Selon la déclaration faite... Par elle, là-bas, à la BIAC. À la BIAC. C'est-à-dire que quand elle est partie demander un prêt, celle qui demandait prêt, c'est pas moi, je ne demande jamais des prêts dans les banques. Quand elle a demandé le prêt, elle a présenté, ou elle a gardé par devant elle, un faux document. Parce qu'elle a présenté ce certificat pour obtenir des fonds, vous comprenez? C'est ça la situation. Alors, je suis rentré au parquet pour déposer une plainte pour la commission des faux et faux en écriture. Au parquet... Le Kinshasa, d'abord au parquet d'instance, avec M. Minga, le substitut du procureur M. Minga. La dame était menottée, elle a amené Mano Militari. On devait se rapprocher parce que les gens peuvent dire, bon, ben, est-ce qu'il ne faut pas trouver une solution, etc. Ça n'a pas marché. Bien. Alors, le magistrat était décisif. Je suis revenu à la charge. À l'époque, c'était le procureur général, M. Moukonkole. Et le dossier est passé maintenant au parquet général. Et au parquet général, il y a eu 4 magistrats qui avaient ce dossier. Il y avait le procureur général, Kongolo, qui est maintenant le parquet général, qui est maintenant procureur général au Kassai central, à Kananga, Kongolo, qui avait le dossier, qui nous a écoutés, contradictoirement, elle, l'ex et moi, avec procès verbaux. Parce que quand vous êtes entendu au parquet, il y a toujours le procès verbaux sur deux ou trois pages maximum.
Après, il a été nommé, il était dans le dossier de M. Vital. Finalement, il a été promu, il était à Kananga. Et en partant, il y a eu quelqu'un qui lui a succédé, M. Salomo. Et quand un magistrat vient, il reprend l'instruction. Il a repris l'instruction. Même chose. Audition du plaignant. Audition de la personne qui est accusée. On a retenu les mêmes préventions. M. Salomo est allé aussi, a été affecté à Matete, je crois, à Limeto, à Matete, à Kinshasa. Après, il y a eu une troisième personne qui nous a écoutés. C'est Mme Faisan, je crois, qui est au cabinet du ministre Tamboué. Après, il y a eu M. Kone, SPG. Les quatre, là, sont des SPG, donc des substituts du procureur général. Quand quand M. Kodia a pris le dossier, le dernier, maintenant, on ramène la synthèse auprès du procureur général, M. Bonheur, qui, lui, maintenant, fait ce qu'on appelle une requête en fixation, au fait des fixations d'audience. C'est ça la requête. Okay. Alors, dans cette requête-là, on mentionne maintenant les infractions. Il y a des infractions, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. C'est un dossier du parquet général. Ce n'est même pas mon dossier. Moi, je suis seulement parti civil qui me suis plaint pour les plus justes causés. C'est un dossier du parquet général. Au parquet, on a instruit ce dossier. Les faits avérés. Dans le dossier, il n'y a pas un autre acte de mariage contraire à celui-ci. Il n'y en a pas. Dans le dossier, il n'y a pas non plus un document des mains de l'officier de l'état civil pour dire que le régime était changé, comme le dit la loi. Nous sommes dans un droit écrit. Okay. Ce n'est pas comme ça, parler comme ça. Il n'y en a pas. Alors moi, je pose la question aux juristes qui nous suivent, aux juristes qui enseignent le régime à Timono. Ça se passe comment lorsque mari et femme ne veulent plus être ensemble? Première question, vous avez des biens? Non. Vous ne voulez plus ou vous ne voulez plus? Il n'y a pas de raison de quand le général ne veut plus, c'est tout, ok? Bon, maintenant, est-ce que vous avez quelque chose que vous avez, quelque chose que vous voulez garder dans votre foyer? Vous posez la question, quelqu'un peut dire, moi je ne veux plus, moi je renonce, etc., etc. Mais maintenant, ici, l'escroquerie, ici. Parce que la loi aujourd'hui, j'ai les documents ici, Maître, regardez. Ah oui, je l'ai ici. Non, c'est pas ça. C'est la citation à prévenu. Hein. Donc, c'est la citation des prévenus. Donc, comme je disais, quand le parquet écrit, monsieur le procureur général écrit, n'est-ce pas, quand il écrit cette requête, et puis le tribunal, maintenant, va prendre, le jour de l'audience, la citation à prévenu. C'est ça, ici. Alors, cette citation à prévenu, maintenant, c'est ça qui va circonscrire le débat. Donc, on ne quitte pas le débat parce que le sujet, c'est la citation. Donc, les préventions qui sont ici, prévention, avoir frauduleusement dénaturé la substance d'un acte. On fait prévu, puni par l'article 124 du Code pénal livre 2. Fait prévu et puni par l'article 126 du Code pénal livre 2, etc., etc. Avoir dans la même circonstance de lieu que supra, ainsi de suite. C'est ça. Entre-temps, M. Koudoura, outre les biens qui étaient, vous savez, les politiciens, ils mettent les biens parfois au nom des enfants, au nom de partenaires, des épouses. Mmh. Mettre le document là sur l'immédiat là, je ne sais pas si vous l'avez. Ouais. Vous comprenez? Alors, et puis maintenant, dans cette vie de communauté, la partenaire, merci beaucoup, la partenaire, elle vend le bien, elle qui prétend qu'elle est dans le régime des biens séparés, elle a vendu 9 parcelles de M. Koudoura. Ah bon? Mais j'ai le document ici. Elle peut venir, hein? Vous pouvez envoyer son avocat, moi je suis prêt à un débat contradictoire. Et pendant ce temps, M. Koudoura était où quand... Ah, voilà. Mais on a plusieurs sites. Mais les parcelles sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parcelles, 23 320 communes délimitées. On peut vérifier. Il y a 9. Et qu'est-ce qu'elle dit? Je sous-signais des charges. J'ai sous-signé Mme Koudoura, Adio, Pascaline, avoir reçu 50 000 francs, 50 000 dollars, pour l'achat de 2 terrains. Là, c'était 2 terrains, et puis elle en a vendu d'autres. Issus du morcellement de notre parcelle cadastrée, sous le numéro que je viens de vous citer. C'est de votre parcelle. Notre. Une parcelle qui se vend sans... Notre parcelle. Notre parcelle. Il y en a 9. Ça, c'est à quel je dis ça. Dites-moi. Monsieur Koudoura n'a pas travaillé. Mais la justice, elle fonctionne sur base aussi de l'ultime conviction. Quelle est l'ultime conviction de ces juges qui vont décider
dans une espèce de conjuration, de donner l'essentiel du patrimoine que nous avons constitué de haute lutte pendant toutes ces années à quelqu'un qui n'était que, je dis respect pour elle, parce que comme partenaire, comme la mère des enfants avec qui j'ai. Mais il reste que c'était une ménagère. Ah bon? Mais c'est écrit, c'est écrit. Elle n'a jamais travaillé? Elle a travaillé une seule fois. Mais okay. elle était dans des conditions confortables, ce n'était pas nécessaire de travailler tout le temps. Elle est devenue députée, c'est dans mon foyer. N'est-ce pas? C'est dans mon foyer qu'elle est devenue députée. Elle était à la tête du parti, c'est dans mon foyer. C'est moi qui ai créé le parti fils qui a été membre du Parlement. Elle était là, elle était nommée par, elle était élue députée. Et quand on est député, quand on fait partie du groupement, on donne le moyen pour aller aux élections, c'est dans le foyer. Ce que nous avons gagné, nous l'avons gagné dans le mariage. Quand je l'ai épousée, madame, elle et moi, on n'avait rien. La loi est regardante sur ça. Elle n'avait rien. Ça, moi, j'étais journaliste. Et après, on a gagné parce que j'ai voulu, je vous ai dit, j'étais ceci, ministre, député, porte-parole, président, c'était la communication, etc., etc. C'est normal qu'on puisse avoir quelque chose. Mais l'ultime conviction des dieux, c'est de donner le patrimoine à une femme qui n'a pas fait le parcours que moi j'ai eu. Le père parle, l'honorable, le très respecté beau-père, personnel, n'était pas ministre. Il n'était pas DG. Il était fonctionnaire, enseignant de son état au Sankuro. Okay. Enseignant de son état au Sankuro. Et puis, il a terminé sa carrière en 1975. Dans la famille, il n'y a aucun dans la famille ici, quelqu'un qui était ministre, un homme d'affaires. Il n'y en a pas. Parce qu'il est obligé de tout dire. Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'à ce jour, M. Koudoua Kassongo est pratiquement dépouillé de tout ses biens. On m'a tout pris, par la loi, on m'a tout pris. Par la loi. Nous continuons avec les procédures. Je vous dis là, maintenant, là, l'officier du ministère public qui avait défendu le dossier venant du parquet général, va introduire un recours. D'après les informations que j'ai ce matin, je n'ai pas pu le voir, parce que moi, je me préparais à venir ici. Pensez-vous que c'était un règlement des comptes où vous êtes victime de votre acquaintance ou des acquaintances que vous avez eues par le passé avec Joseph Kabila ou le président Mobutu? Je suis de l'Est. Je peux vous dire franchement, nous connaissons le régime, comment il fonctionne. Si Kabila était au pouvoir, ou s'il y avait Moussaïli au pouvoir, ou si moi j'étais à la présidence, ça ne s'enlèverait pas. Et c'est arrivé quand je n'étais plus porte-parole président de la République. C'est clair. C'est clair. Quel est le magistrat qui pouvait dire les droits tels qu'il le dit là? Quel est ce magistrat qui pouvait faire ça? C'est une coalition. Mais dans ce pays, le sentiment que nous avons, nous, les gens de l'Est, je vous dis, je suis très mal à l'aise. Parce que moi, je vous dis, je fais partie de forces politiques pour soutenir le président Félix. Mais quand il y a des situations comme ça, je suis mal à l'aise. Vous ne pouvez pas soutenir, vous avez du mal à soutenir un régime qui vous broie. Je suis sincère. Vous pensez que j'aurai suffisamment d'énergie pour dire, oui, le président Félix, c'est l'état de droit, l'état de droit. Alors que je vis des choses comme ça. Vous pensez? Mais le président avait déclaré lui-même qu'il... Mais il déclare, il ne prend aucune mesure, le président. Il déclare seulement... Mais bizarrement, il n'y a pas de sanctions qui s'en suivent. Vous le dites. Maintenant, là, je vous dis, j'ai des notes ici. J'ai des notes que j'avais adressées à l'administrateur principal de la sécurité intérieure. J'ai des notes, je ne sais pas ce que j'ai mis. J'ai les ici. J'ai des notes. C'était au mois de janvier 2020. Je ne vais pas vous lire ça, mais vous en faites. J'avais écrit à l'administrateur principal chargé du département de sécurité intérieure. N'est-ce pas? Concerne trafic d'influence de la présidence. J'ai eu des informations. Trafic d'influence de la présidence? Oui. Qu'est-ce que vous avez affirmé? Vous pensez qu'il y a des gens dans l'entourage du chef d'État qui sont derrière ces dossiers? J'ai la note dans mes archives. Et cette note est arrivée. J'ai des preuves. Cette note est arrivée.
À la suite de ça, je sais ce que le président de la République avait dit. Ça ne peut pas être une coïncidence. C'est ça. J'ai la note ici. Je peux vous citer le nom de monsieur. J'ai la note ici. Il y a certains Mukendi, ils ont fait l'influence, ils sont allés là-bas voir le président Gaël Yimbi, voilà, le voulons de la présidence, avec l'argent, bien entendu. Mais c'est quoi l'intérêt de tous ces gens que vous soupçonnez aujourd'hui de monter un coup contre vous pour vous dépouiller de vos biens? Mais, quand vous avez été avec le président Kabila, ou quand vous avez été avec le président Mobutu, ou quand vous avez été avec Mzé, vous pensez qu'on a de la place ici? Vous pensez? Moi, je ne sais pas. Je doute. Beaucoup de gens me demandent, pourquoi vous ne voudrez pas la présidence? Pourquoi le président ne vous prend pas? Qu'est-ce que je dois faire, moi? Même encore ce matin, les gens ont montré des Bruxelles, des partout. Qui ne sait pas que M. Koudoura a des compétences? Qui ne sait pas? Dites-moi, franchement. J'ai fait la communication, j'ai fait les Sciences Po, j'ai fait des trucs stratégiques, de sécurité, tout ce que vous voulez. J'ai fait ça. Est-ce que j'ai une place dans ce régime? Il faut être Moulouba. Franchement, je suis excédé. J'en ai là, jusque-là. Alors, M. Koudoura Kassongo, vous êtes un monsieur respectable dans ces pays au regard de vos services, de vos loyaux services d'ailleurs rendus à la nation, au regard de votre parcours. Alors, la grande question reste à savoir pourquoi vous ne tentez pas peut-être d'approcher les autorités. Approcher comment ? Question, peut-être entrer en contact avec, par exemple, le Premier ministre ou le Président de la République lui-même. Question de lui faire part de vos soucis. Et surtout que vous êtes aussi aujourd'hui cadre de l'Union Sacrée. Je ne suis pas cadre de l'Union Sacrée, mais je suis responsable d'une structure dans le sens de l'Union Sacrée, parce que l'Union Sacrée, ça regroupe ceux qui sont représentés au sein du Parlement. C'est ça, je pense. Donc ceux qui sont au Sénat et ceux qui sont à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas mon cas. Bon. Mais nous travaillons. Nous allons commencer à travailler avec M. Laurent Boitumana. Mm. Ceux qui pensent qu'il faut travailler pour... Alors pourquoi ne pas formuler une demande pour être reçu par le président de la République? Oui, je vais le faire. Je vais le faire, j'ai écrit une fois, je vais le faire encore. Mais là, je passe parce que je sais que les services d'études à la sécurité intérieure enregistre toutes les émissions. Je sais que ça se passe comme ça. Absolument. Donc, ils enregistrent toutes les émissions, ils lui feront une synthèse, et puis moi, je crierai. Je vais continuer à dire, à dénoncer ce qui se passe. Je vais vous dire que je ne lâche rien du tout. Donc, je suis là pour dire que c'est inacceptable. Et ils sont nombreux, les Congolais, qui sont dans ce cas-ci, qui ont perdu des maisons, qui ont perdu de l'argent, qui ont perdu des usines, qui ont perdu des fermes, parce que beaucoup n'ont pas de courage, parce que c'est décourageant. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans cette procédure. Ça fait 5 ans. Et ce n'est pas fini. Donc, on va encore aller au TGI, on va encore aller, je ne sais pas où, la Cour de cassation, ça prend encore 2 ans, etc. Dieu fait grâce, je suis vivant. Quand vous vous levez du jour au lendemain, les juges, je pense qu'ils aiment l'argent. Moi, je connais beaucoup de choses. Je suis très organisé. Quand une chambre se réunit, à la minute, je suis au courant de ce qui se passe. À la minute. Là, par exemple, je sais qu'il y a une notification qui... Moi, je ne l'ai pas, j'ai déjà le contenu. Je suis très organisé. Alors, à ce jour, votre dossier se trouve à quel niveau? Le dossier, il va sortir du TGI Gombe, chez M. Gaël. Je dis à M. Gaël, je lui dis, Monsieur le Président, je vous dis, je ne vous lâcherai pas. Moi, je vais demander la révocation de ces messieurs. Parce qu'on est nombreux comme ça, ils ne disent pas le droit. Moi, je vous ai donné les faits ici, les faits juridiques. Un dossier qui vient du parquet. C'est le parquet général. Moi, je suis seulement partie civile. Commission de faux. Vous avez le dossier. C'est commission de faux. Faux. Les magistrats disent qu'il y a commission de faux. Tous les magistrats. Les uns de toutes les provinces. Parce qu'il y a un Katangé. Il y a un coquet du quelqu'un de Bandundu, le Kokodia. Il y a l'autre, je ne sais pas, du Kassai là-bas, qui est de Mweka. Toutes les provinces. Ce ne sont pas mes amis quand même. Les magistrats, ce ne sont pas mes amis. Vous pensez qu'ils ne connaissent pas le droit? Mais la justice, elle est pourrie dans notre pays. C'est ça la vérité. Elle est pourrie. Seul le magistrat de la magistrature, du parquet, donc le magistrat debout, qui sont intègres.
dans la majorité des cas. Il peut y avoir des abus, je ne sais pas. Mais par expérience, il y en a qui ont été approchés, qui ont refusé. Que ce soit au parquet général, au parquet des grandes instances, que ce soit au parquet ici de Tripé-Gombe, même au Tripé-Ngaliema, j'ai été passé là-bas parce que c'est là que la boutique a commencé. Ok. Vous comprenez? Les magistrats, je constate, il y avait un magistrat là-bas qui était là, je crois, qui dit les droits du banc. Qui dit c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez saisi le Conseil supérieur de la magistrature pour dénoncer? Je vais dénoncer et je vais demander l'appui de la presse, de mes amis, de mes confrères. On doit dénoncer ça, on ne peut pas laisser faire ça. Parce que regarde ce qui se passe. Ici, il y a la corruption, non? Ils ont pris l'argent, tranquille, ils ont acheté parce que la partie adverse avait dit oui, tout est déjà terminé. On attend seulement le jugement. Vous vous rendez compte? Ça existe ça dans une république, dans un pays, quelqu'un qui dit « Oui, mais nous, on attend seulement le jugement, tout est fait. » Alors qu'il n'y a pas encore instruction. Le 29 du mois passé, je ne t'ai pas notifié. Je ne t'ai pas notifié. Hein. On est venu à la maison, cette foutaise de chambre ici. On est venu à la maison et on a jeté les exploits, on appelle ça les exploits, en dessous du portail. Ah bon? Oui, mais j'ai un exemple ici. En dessous du portail, ça. Et le tribunal a siégé sur du faux. Quelle était la motivation? Le parquet a insisté pour que M. Koudoura soit là-bas, l'autre partie, par principe d'équité. Ils ont refusé. L'audience a été interrompue 3 fois. Moi, je n'étais pas au courant. C'est un pasteur qui est venu me dire ce qui s'est passé, ce qu'il a vu dans le songe. Et même ici, j'ai les pièces. Moi, j'ai demandé, j'ai écrit sur mon compte Twitter, je veux être entendu par une commission du Conseil supérieur de la magistrature. Je veux aussi être entendu par une cellule de l'ANER. Je veux être entendu par une cellule du Conseil national de sécurité. Parce que quand les foyers ne sont plus stabilisés, que vous vous mariez du jour au lendemain, vous perdez ce que vous avez, il y a une sécurité dans le pays. Il y a une sécurité pour le mariage. Si pour ceci ou pour cela, du jour au lendemain, ah non, ce n'est plus pour vous, c'est pour le mari. Si le mari est fort. Si ce n'est plus pour vous, c'est pour la femme. Si la femme est forte. À l'évidence, parce qu'elle est de l'EPS, elle est kassayenne. Moi, je ne suis pas de l'EPS. C'est tous ces éléments-là que moi, j'étais dans l'analyse. Moi, je ne suis pas de l'EPS, moi. Je suis indépendant. Je suis quelqu'un d'un esprit très dégagé. C'est tout. Donc, à ce jour, quel est l'état de vos terrains? C'est-à-dire, vous avez perdu tous vos terrains ou il y a encore une lueur d'espoir que demain ou après demain... Juridiquement, on peut dire ça juridiquement. Mais s'il y a tout le temps la corruption, qu'est-ce que vous pouvez espérer? L'esprit est le même. Vous gagnez juste le temps, mais vous ne gagnez pas les procès. Parce qu'ils sont tous corrompus. Quand vous posez la question, une fois, j'ai parlé avec le président Pierrot du TGI. Un gars très remarquable. Il m'a parlé, je parlais, j'ai toujours dans le même dossier, mais sous d'autres aspects. Alors je dis, monsieur le président, dites-moi un peu, comment ça se passe? Il me dit, écoute, quand il y a un problème, on demande au couple, on regarde, ce qu'on regarde, c'est le démariage. On regarde quel régime que vous avez. Le régime, en principe, de nos jours, il est mentionné, on le donne au couple. À notre époque, on ne donnait pas. Mais c'est la loi qui le garantit. Et ceci, ça ne dépend pas des titres de propriété que vous avez. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intérêt, là où il y a de l'intérêt, c'est le régime que vous avez choisi. Si vous avez choisi un régime de biens séparés, ok. Tout est faux. Mais si vous avez vous êtes régi par la communauté des biens, les biens du mari, s'il y en a, les biens de l'épouse, s'il y en a, vous partagez. C'est tout. Est-ce qu'il y a des gens qui occupent déjà vos terrains? Il y a eu des biens qui ont été vendus. Voilà, vous faites bien de me poser la question. Je dis ceci aux Congolais qui m'écoutent. Qu'ils ne se hasardent pas d'aller acheter tout ou partie des biens de M. Koudoura. Qu'ils ne se hasardent pas. Il y a déjà 2 terrains qui sont vendus. Oui, mais qu'ils ne se hasardent pas. Parce que je me battrai jusqu'au bout. Je me battrai jusqu'au bout pour ça. Et mon petit-fils, Djalani, se battra pour ça si je meurs. Mais je m'arrangerai pour avoir un cabinet qui va poursuivre. Mais vous savez, les politiciens, on ne meurt jamais. Ceux qui pensent que M. Koudoura est mort, ils se trompent. Un politicien ne meurt jamais.
tant que je suis pas, je vous le dis, tant que je suis pas enterré, on ne meurt jamais. Je vais récupérer mes biens comme M. Mokia a récupéré les siens. Vous avez un cas? Comme M. Mokia a récupéré les siens. Comme aussi un autre politique qui était décédé, je ne vais pas le citer, il a aussi récupéré ça. Ils sont nombreux comme ça qui récupèrent le bien. Donc quand vous allez vous amuser, je vais récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il y a une justice céleste. Très bien, on a terminé cette émission. Alors en gros, qu'est-ce que le public qui a suivi cette émission doit retenir par rapport à votre passage sur ce plateau? Très bien. Par rapport à ce passage sur ce plateau, l'injustice de notre pays, c'est de la marmaille. Il n'y a pas de justice. Je suis désolé de le dire. Il n'y en a pas. Soit tu es puissant. Puissant. Politiquement. Et ça, le magistrat me le dit. Ceux qui tuent la magistrature, la justice, parce que la magistrature, c'est tout, hein, les juges, les, au parquet, au tribunal, c'est tous magistrats. Ceux qui tuent la justice dans notre pays, c'est l'argent et le trafic d'influence. Donc, il faut être puissant. Mais Senga Oudjoud avait dit quand j'étais député, il est venu dire aux députés que ceux qui sécurisent tout le monde, c'est une bonne justice. Et vous, c'est pour ça que vous voyez chaque fois des retombées, un tel était là-bas, et puis ça retombe encore, et puis ça tombe encore, ça tombe encore. Donc ce que je suis venu dire ici, c'est que la justice ne fonctionne pas. Mais comme la justice ne fonctionne pas, il ne faut pas baisser les bras. Il faut se battre. Moi, je suis venu ici. Aujourd'hui, même ce matin, j'avais des informations. Je n'ai même pas voulu attendre la notification. J'ai dit, j'engage maintenant ce combat-là. Et j'ai dit au président de Tripé que vous me crucifiez, mais moi aussi, je vais vous crucifier. Très bien. Nous serons à 5 sur la croix. Je ne vous le savais pas. Ça, c'est vrai. Il faut se battre. Vous savez, nous avons des députés ici, dans cette législature, qui n'étaient pas élus au moment de la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Notamment mon jeune frère, mon confrère, Safou. Il s'est battu, il a réintégré. Et bien, c'est ça qu'il faut. Deuxième chose, deuxième leçon, c'est que la justice ne rassure personne. Et moins encore ceux qui sont dans le mariage. Quand vous êtes dans le mariage, c'est le foyer, c'est ça qui est le fondement de la nation. La nation, c'est la somme de foyers, c'est la somme de familles. Et dans ces familles, il y a papa, maman, les enfants et leur maison et leur bien. Si vous n'arrivez plus à sécuriser votre famille, donc vous ne sécurisez même pas l'héritage de vos enfants, de vos petits-enfants, ça veut dire que c'est une nation qui est vouée à la perdition. Okay. C'est ça que ça veut dire. Donc ce combat, moi je me battais jusqu'au bout, je garde espoir que je gagnerai, mais je dis aussi qu'il faut se battre, ce n'est pas seulement le problème de M. Koudoura, parce qu'un jour ou l'autre, vous vous mariez, vous, garçon ou jeune homme, vous vous mariez, la femme se marie, vous devez savoir que vous n'êtes jamais, dans ce pays ici, vous ne serez jamais à l'abri de ce pays. Très bien, M. Koudoura voilà. Kassongo, merci de votre passage. Je rappelle que vous êtes ancien journaliste, ancien ministre de la Communication, ancien porte-parole du président cabinet, ancien député également. Très bien. Cette émission est terminée. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes, pour la sympathique et réelle attention. Nous osons croire que M. Koudoura sera remis dans ses droits parce que nous faisons confiance en la justice de notre pays. Je vous retrouve demain pour boucler la semaine. Au revoir.